Allez, coco! Salutations de Joanne, de André, de Lise qui dit allô, allô Coco. Bon, salut Coco, les gens te saluent puis les gens ne me saluent pas moi. Alors c'est pas vrai, je le sais qu'ils me saluent tout le temps. Mais c'est toi la vedette Coco. Puis la vedette, ben, la vedette des fois faut qu'elle se repose. Fait que est-ce que tu me laisses parler aux gens? Oui? Oui, t'es d'accord? On dit bye bye aux gens? Dis bye bye. T'as la bouche pleine, c'est pas très poli de parler la bouche pleine, hein? Bye bye, Coco! Bye! C'est pas fini. Il y a encore la bouche pleine. Bon, on va quand même le soigner sur le côté. Hein? Évite ton écueil! Évite! Il prie dedans. C'est vite, vite, vite. OK? Bye, Coco! Bye bye! Bye bye! Merci! Super! Donc, salut, salut tout le monde! Donc, ben, comme vous savez, hein, Roxane, biologiste chez Educazo, aujourd'hui, je vous présente, comme je vous ai dit, un opossum. Donc, qui n'est pas un animal qui est très commun. C'est vraiment un animal qui est particulier. Et Educazo, on est les seuls, en fait, à avoir le droit d'animer avec ça sur la route. Parce qu'on a, en fait, un partenariat avec un laboratoire, dans le fond. Lorsqu'ils ne peuvent plus se servir ou étudier, dans le fond, leurs spécimens, ben, c'est nous qui les accueillons. On leur fournit une belle maison jusqu'à la fin de leur vie, en fait, pour leur retraite. Donc, une maison remplie de câlins et d'amour. Donc, je vais les sortir tout de suite. Et là, j'ai amené deux individus. J'ai amené Molly, qui est une petite femelle toute jeune. Elle n'a même pas encore un an, donc elle est vraiment toute petite, toute petite. Les opossums, il faut savoir que c'est des animaux qui sont très stressés. Donc, pendant la vidéo, il y a de fortes chances que je me mette à ramasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de crottes. Hein? C'est tout à fait normal. C'est leur façon de faire passer le stress. Donc, voilà pour Molly que je vous présente. Approchez-vous ici. Donc, elle est dans son petit bac de transport. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais la garder sur la petite couverte. La belle Molly. Donc, voilà. Petite opossum. Donc, elle est vraiment toute mignonne. Donc, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est qu'on va
Essayez de la mettre dans l'arbre, voir si ça lui tente de grimper. Sinon, ben écoute, on essaiera de voir là, comment on peut la manipuler. Parce que j'ai aussi amené Diego. Diego qui est un mâle, qui est un petit peu plus âgé. Là, il doit avoir à peu près autour de 2 ans et demi, 3 ans. Ça fait quand même assez longtemps là, qu'il est chez Eddie Kazoo. Et le mâle, il est beaucoup plus gros. Et on ne veut pas les mettre ensemble. Hein? On ne veut pas les mettre en commun. Pourquoi? Ben parce qu'on ne veut pas avoir de bébé. Hein? Tout simplement. Donc, ma belle Molly, est-ce que tu aimerais grimper ici? Veux-tu grimper sur l'arbre? Vas-y, ma poulette. Hein, donc, c'est un nouvel arbre, elle ne connaît pas cet environnement. C'est certain qu'elle va en profiter là, pour sentir. Vous voyez que son nez bouge beaucoup, beaucoup. Hein, donc, elle va explorer ce nouvel environnement que je mets à sa disposition. C'est certain qu'elle connaît beaucoup sa petite couverte. Hein, donc, c'est bien intéressant de vouloir rester sur la doudou qu'on connaît déjà. Vas-y, mon petit carré. Voilà. Bon, elle a décidé qu'elle allait se cacher dans la jute. C'est une technique comme une autre. Elle est vraiment dans la jute. Donc voilà, c'est correct. Hein? On a plein de techniques, on va pouvoir aller la récupérer sans aucun problème. Elle a décidé d'aller se cacher. Et là, évidemment, on va essayer de la récupérer avant de sortir notre ami Diego. Pourquoi? Ben parce que je voudrais pas en perdre un de vue, hein, tout simplement. Donc, les opossums, vous avez remarqué que Molly, elle a vraiment de très, très grands yeux globuleux. Donc, elle est juste ici. C'est correct. Elle a de très, très grands yeux globuleux. Hein? C'est ce qui nous permet de savoir que l'opossum brésilien à queue courte, donc cette espèce-là, est un animal qui est nocturne. Donc, elle va vraiment là, avoir des grands yeux pour pouvoir capter le plus de lumière possible lorsqu'elle est dans la noirceur. Et là, vous m'avez vu la prendre par la queue. Hein, vous êtes habitué de vous faire dire on ne prend jamais les animaux par la queue. Et bien, les opossums, c'est un peu particulier parce que leur queue, c'est un peu comme une cinquième main. Donc, on appelle ça une queue semi-préhensile. Donc, elle va vraiment servir à venir s'agripper. Donc, lorsqu'ils grimpent dans les branches, par exemple, ils vont s'y agripper de cette façon-là. Donc, avec leur queue, tout simplement. Évidemment, ils ne vont pas dormir la tête en bas. Ce n'est pas nécessairement une position qui est confortable pour eux. C'est vraiment une sécurité qu'ils vont utiliser pour éviter, par exemple, de tomber au bas des arbres. Donc là, la belle Molly, elle cherche où elle pourrait bien se cacher. Donc, je vous répète, si vous avez des questions pendant la vidéo, bien, vous êtes bien invité à me les poser. T'en vas où, ma chérie? Dans mon dos. C'est correct. Et là. OK, super. Donc, on va essayer de la remettre dans l'arbre. Ah, ici, peut-être que ça va lui tenter. Donc, les opossums, ce sont des animaux qui sont arboricoles. Donc, ils vont vraiment grimper dans les arbres, dans la nature. Donc, ce sont vraiment des animaux là, qui vont dormir vraiment en hauteur. Et le jour, c'est leur moment où ils vont dormir. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des animaux qui sont nocturnes. Et la nuit, ben, ils vont en profiter pour aller chasser, pour aller trouver de la nourriture. Et qu'est-ce que ça mange un opossum brésilien à queue courte? Eh bien, c'est très simple. C'est un animal qui est omnivore. Donc, omnivore, ça veut dire qu'il va manger un peu de tout. Et là, j'ai amené des petites collations pour mon amie Molly. Je ne sais pas si elle va vouloir en manger, ça se fait que non. Hein? Donc, ça dépend vraiment de leur appétit. Et aussi, il faut dire que c'est un nouvel endroit où elle se trouve. Donc, ça se peut qu'elle soit moins encline à vouloir manger. Est-ce qu'on a une question? Oui, donc Roxane, tu parlais beaucoup de le fait que ses yeux sont noirs nocturnes. Donc, Dominique se demande, est-ce que la lumière en ce moment lui fait mal aux yeux? Non, pas du tout, parce que c'est une lumière là, qui est relativement tamisée dans le sens où il fait pas super clair dans le garage. C'est pas une lumière qui va directement dans ses yeux, justement. Donc, c'est vraiment, on a la lumière de la fenêtre en haut du garage. Et on a également la lumière du garage, mais le plafond est très, très haut. Donc, en ayant le plafond haut, les néons sont hauts également. Donc, c'est rien qui est dommageable pour ses petits yeux à elle. Très bonne question. OK. Donc, mon amie Molly bouge beaucoup. Hein, elle est en train d'explorer, de découvrir où elle se trouve en ce moment. Il faut faire attention, il faut la gérer comme il faut hein, pour éviter qu'elle se lance en bas. Parce que, bon, je vous l'ai dit, les opossums, c'est arboricole. Donc, ils sont habitués, eux, de se lancer d'un endroit qui est très haut à un autre endroit très haut. Est-ce que tu voudrais faire de la roue, ma petite chérie? Oh. Ben non, elle est en mode découverte. Moi, je vais courir partout où je trouve des choses intéressantes. Hein? C'est la découverte d'un terrain de jeu. C'est super mignon. Donc, vous voyez qu'elle est vraiment très, très à l'aise hein, sur les branches. Et si on regarde ses petites pattes,
Donc, elle va vraiment avoir des pattes un peu comme les singes, si on veut. Donc, les pattes arrière vont être séparées 4 doigts, 1 pouce. Et là, ça, c'est le plaisir de nos amis opossums, courir dans la roue. Hein? Donc, pour ceux qui étaient là depuis le début, je l'ai mentionné, nos opossums proviennent de laboratoires qui font des études, en fait, sur le développement embryonnaire, le développement du système nerveux, du système locomoteur. Et ils n'ont pas accès à des roues d'exercice comme ça au laboratoire, tout simplement parce que ils ne sont pas assez longtemps, en fait, pour les utiliser. Donc, on les a vraiment souvent en très bas âge. Donc, quand ils arrivent chez Educazoo et qu'ils découvrent la fameuse roue, oh là là, c'est un plaisir de courir dedans. Ils s'amusent, ils y passent des heures et des heures. Une chose qu'il faut faire attention, toutefois, c'est de prendre une roue qui est suffisamment grande pour éviter qu'il y ait une flexion au niveau de la colonne vertébrale. Donc, la circonférence ici, elle est bonne pour notre ami Molly, parce qu'elle est toute petite. On a une question. Oui, donc Chantal veut savoir, est-ce qu'il y a des opossums qui viennent du Québec, natifs du Québec? On n'a pas d'opossum natif au Québec. Donc, celui-là, c'est un opossum brésilien à queue courte. Donc, évidemment, il vit en Amérique du Sud, au Brésil. On a toutefois ces fameux... Attendez, je vais juste gérer Molly. On a toutefois les opossums de Virginie. Hein? Coucou, l'ami! Viens-tu me voir? Ça roule un peu, la roue. Hein? C'est ça, le but d'une roue. Vas-y, crème dessus. Donc, on a les opossums de Virginie qui ressemblent un petit peu à ceci. Hein? Donc, un opossum qui est gris et blanc avec la queue préhensile également. Et ça, on commence à en avoir de plus en plus ici à cause des changements climatiques. En fait, ils remontent là, des États-Unis jusqu'au Canada. Donc, les opossums que tu risques de voir en nature, ça serait pas mal ceux-là. Donc, dès comme ça, on n'en trouverait pas du tout ici. Là. C'est vraiment trop... Ils vivent trop au sud pour se retrouver ici. Donc, excuse-moi, je t'ai fait peur, mon petit cœur. Donc, les opossums, qu'est-ce qui est particulier avec eux? C'est que ce sont des animaux qui font partie des marsupiaux. Donc, les marsupiaux, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme les kangourous, les koalas, les phalangés volants que je vous ai déjà présentés. Donc, ce sont des animaux qui possèdent un marsupium. Le marsupium, c'est la poche ventrale qu'on va retrouver, dans le fond, dans laquelle les bébés vont pouvoir grandir. Ce qui est particulier avec les opossums brésiliens à queue courte, c'est qu'eux ne possèdent pas de poche ventrale. Donc, après l'accouplement, la femelle va avoir les bébés pendant environ 2 semaines dans son ventre. Ils vont commencer à se développer. Ensuite, elle va les accoucher. Mais lorsqu'elle les accouche, en fait, ils mesurent environ 1 cm. Ils sont à peine formés. C'est l'équivalent d'à peu près 40 jours de gestation chez l'humain. Donc, on s'entend que le développement, là, il est très, très, très basique. Donc, elle va accoucher ces petits bébés-là. Et les bébés vont grimper jusqu'aux mamelles. Et la femelle va avoir 13 mamelles. Donc, le but de chacun de ces petits bébés-là, bien, c'est tout simplement d'aller se rendre jusqu'aux mamelles et de s'y accrocher. Et qu'est-ce qui est vraiment fascinant avec les opossums brésiliens, c'est que la bouche du bébé va carrément fusionner avec la mamelle. Donc, ils vont carrément y être attachés pendant encore environ 2 semaines, le temps de terminer leur développement, le temps de terminer, dans le fond, leur croissance. Et à un moment donné, après ces 2 semaines-là, ben, ils vont être assez grands pour lâcher les mamelles et grimper sur le dos de la petite maman. Donc, j'ai quelques petites photos à vous montrer pour vous donner une idée. Donc, première petite photo, hein, les bébés. Quand tu peux filmer, Emily, je vais gérer l'opossum. Donc, la première photo qu'on voit en haut à gauche, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont les tout petits, petits bébés. Lorsqu'ils vont sortir du marsupium, ben pas du marsupium, pardon, quand la maman va les accoucher. Hein? Donc, ce sont les tout petits, petits bébés. Ça va ressembler à ça. Après un certain temps, bien évidemment, ils vont grandir, hein, ils vont commencer à accumuler des couleurs, ils vont être beaucoup mieux formés, on commence à voir un petit peu l'endroit où se trouveraient normalement les yeux. Et ensuite, bien, ça c'est la maman, ils vont devenir éventuellement de cette taille-là. Lorsqu'ils viennent s'accrocher aux mamelles de la maman, bien, ça ressemble vraiment à ça. Donc, c'est un petit mouton de petits machins roses qui viennent s'agripper tout simplement aux mamelles. Et donc, c'est là qu'ils vont terminer, qu'ils vont continuer leur croissance pendant environ 2 semaines encore. Et finalement, lorsqu'ils sont assez grands pour quitter les mamelles, donc ça va ressembler à ceci, plein de petits bébés opossums qui vont grimper sur le dos de maman opossum. Donc, maman se transforme en autobus scolaire. Hein? Donc, elle va servir à promener tous ces petits bébés
jusqu'à temps qu'il soit suffisamment grand pour se débrouiller tout seul. Et une chose qui est importante, en fait, à savoir à propos des opossums, c'est que les mamans, après un certain temps, quand elles savent que leurs bébés sont autonomes, elles les chassent. Donc, ils doivent comprendre le message et s'en aller eux-mêmes. Pourquoi? Parce que s'ils ne le font pas, la maman est capable de faire du cannibalisme. Donc, elle pourrait manger ses propres bébés. Donc, le message doit être suffisamment clair pour les bébés opossums. Quand c'est le temps de partir, on part. Maman nous met dehors. Maintenant, je vais vous présenter mon autre ami opossum qui est Diego. Diego qui est un petit mâle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, donc vous allez voir, un mâle qui est un petit peu plus grand que la femelle. Donc, c'est environ 25 % plus gros que les femelles. Coucou mon petit cœur. Donc voilà, donc le beau Diego, hein, qui est beaucoup plus grand, un peu moins stressé, parce que comme je vous disais tout à l'heure, Diego, ça fait plus longtemps qu'il est chez Educazoo, il est un petit peu plus habitué à se faire manipuler. Néanmoins, il fait quand même les petites crottes de stress habituelles chez les opossums. Donc lui aussi va se servir de sa queue, hein, pour pouvoir se tenir. C'est exactement la même chose qu'avec notre belle Molly, la petite femelle, tout à l'heure. Et là, que diriez-vous? On essaie de voir qu'est-ce que ça mange un opossum. Je ne garantis pas que ça va fonctionner, mais on peut faire le test. Mon beau Diego, est-ce que tu aimerais avoir un petit verre? Regarde-le, mon cœur. Oh oui! Oh oui, oh oui! C'est bon, ça, les verres! Donc, ça va faire partie de leur alimentation de manger des petits verres comme ça. Donc, souvent, ils vont se servir de leurs petites mains pour les tenir. Hein? Donc, ils vont vraiment avoir des mains préhensiles comme nous. Ça va vraiment servir à venir apporter la nourriture à la bouche. Et comme vous voyez, Diego s'en donne à cœur joie. Il adore manger des vers. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très bon en bouche. Si on mettait Molly et Diego ensemble, bien, fort probablement que mon ami Diego chercherait à séduire la belle Molly. Mon chéri est ici, ton verre. Voilà. Donc, il chercherait probablement à séduire la belle Molly. Évidemment, la séduction ne se fait pas à coups de chansons et de danses nuptiales. Chez les opossums, c'est un petit peu plus sauvage, si on veut. Donc, c'est moins joli à regarder. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les opossums peuvent avoir jusqu'à 6 portées par année et de 6 à 11 bébés par portée. Donc, c'est vraiment une très grande quantité de petits opossums. Et pourquoi ils en ont autant? En fait, c'est que ça ne vit pas super, super longtemps, un opossum. Hein? Ça va vivre environ 2 à 4 ans, les petits opossums brésiliens. Bon, évidemment, on lui présente des fruits après des vers, c'est beaucoup moins intéressant. Émilie, est-ce qu'on avait une question? Oui, donc Maïka aimerait savoir si on peut en adopter à la maison. Eh bien, Maïka, non, ce n'est pas un animal domestique de compagnie. Les opossums, la raison pour laquelle nous, on en a, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est qu'on a un partenariat avec un laboratoire qui étudie leur développement. Donc, nous, on est leur maison de retraite, si on veut. Donc, c'est vraiment chez nous qu'ils vont venir passer le restant de leur vie. On les a relativement jeunes, mais ce n'est pas un animal qu'on peut avoir à la maison, donc ce n'est pas légal. Donc, comme je mentionnais, les interactions entre mâle et femelle, souvent, ça va se résumer en « je te montre les dents ». Ben, mâle-mâle ou femelle-femelle aussi, en fait, c'est quand même un animal qui est assez solitaire. Donc, il ne va pas nécessairement apprécier la compagnie des autres opossums. Donc, assez farouche aussi. Donc, quand ils vont voir un ami, ben, souvent, ils vont se montrer les dents, ils vont se siffler l'un l'autre pour se faire comprendre « bon, ben ici, c'est mon territoire, je n'ai pas envie que tu y sois avec moi ». Donc, voilà pour mon petit opossum et les interactions mâle-femelle. Une autre question, allons-y. Oui, Chantal se demandait, parce que tout à l'heure, on parlait des plus gros opossums. Oui. Donc, Molly, est-ce que c'est un opossum de Virginie, puis sinon le toutou? Ben, en fait, les deux, ce sont des opossums brésiliens à queue courte. Donc, ça, c'est vraiment leur taille adulte. Ça va tourner autour de 20 à 25 cm maximum avec la queue. Donc, ce sont vraiment de tout petits opossums. Alors que l'opossum de Virginie, c'est vraiment un gros spécimen. C'est vraiment un animal qui vient assez grand. Puis, ça pourrait être considéré, en fait, aux États-Unis, c'est considéré comme de la vermine parce que souvent, ça va rentrer là, dans les maisons pour aller fouiller dans les gardes-manger et se trouver de la nourriture. Donc, c'est vraiment pas un animal là, qu'on a nécessairement envie d'avoir à la maison.
Donc, voilà. Pour le dimorphisme, la différence, je vous ai mentionné hein, que le mâle était beaucoup plus gros que la femelle, mais évidemment, il y a autre chose qu'on peut voir assez facilement. Eh bien, tout simplement, ce sont les testicules. Je pourrais vous montrer après que mon ami Diego ait terminé de manger sa bouchée de verre. Fini, mon chum? Parfait. Il est ici. Donc, vous avez juste à voir ici, on voit l'espèce de boule juste ici. Ben, en fait, ce sont les testicules qui sont très apparentes. Donc, ben, l'hiver, hein, sont un petit peu plus petites. L'été, ils vont être plus grandes, puis ils vont descendre également parce que, bon, c'est un bon moment pour eux pour vouloir se reproduire. Autre chose qu'on leur donne à manger, hein, donc, si omnivores, on peut leur donner des petits fruits également. Donc, ça va beaucoup les apprécier. C'est certain qu'entre des vers ou des fruits, ben l'opossum, il préfère nettement manger des vers. Hein. C'est comme une petite gâterie. Aussi, on va leur donner de la nourriture comme ça, qui sont comme des petites granules de nourriture à chat, tout simplement, parce qu'en nature, les opossums peuvent également manger de la viande. Donc, une nourriture qui est faite avec beaucoup de protéines, de viande, ben ça les aide à se sustenter comme il se doit. Peut-être qu'on pourrait voir si mon ami Diego a envie de grimper. Veux-tu grimper, mon chum? Tu connais pas cet endroit-là, hein, non plus? Moi, c'est correct. T'es pas obligé si tu veux pas. Est-ce qu'on connaît des opossums célèbres? Eh bien, moi, je vous dirais que je connais des opossums célèbres dans le film L'air de glace. Hein? Donc, Crash et Eddie, ce sont des opossums. Même que la maman mammouth, là, elle se prend pour un opossum la première fois qu'on la voit dans cette série de films-là. Donc, qu'est-ce qui caractérise les opossums? Pourquoi on les reconnaît bien? Bien évidemment, on sait, hein, ce sont des animaux qui se tiennent par la queue. Et aussi, ce sont des animaux, lorsqu'ils se sentent en danger de mort, qui vont se mettre sur le côté et faire semblant de mourir. Il y en a même certains qui peuvent dégager une odeur pestilentielle pour éloigner les prédateurs. Donc, on voit que l'ami Diego, il est plus vieux, il est un petit peu moins habile en sur les branches, tout simplement parce que la vieillesse, hein, c'est comme chez nous. Plus on vieillit, moins on est habile et moins on a envie de grimper partout. Pourquoi? Ben parce qu'on n'est pas bien bon pour atterrir sans se blesser. Hein? Donc, voulais-tu un autre petit verre, mon chéri? Regarde, il est là. Donc, pendant qu'il mange, on peut remarquer aussi, approche-toi, on voit qu'il a des petites moustaches. Hein? Ce sont des vibrisses. Donc, ça va avoir le même rôle chez tous les mammifères. Les petites moustaches, ces vibrisses-là, ce sont des poils sensoriels qui vont vraiment servir à sentir leur environnement. Parce qu'en ce moment, hein, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'opossum, c'est un animal qui est nocturne. Donc, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de luminosité, qui a beaucoup de luminosité de jour, il n'est pas en mesure de voir très bien. Lui, c'est vraiment une vue de nuit qu'il a développé. Donc, ça fait en sorte que ben, c'est vraiment avec ses petites moustaches qu'il va s'orienter davantage pour se déplacer et savoir où il veut aller. Et là, mon petit Diego se cherche un endroit tranquille pour manger son petit verre. Hein, il est comme c'est assez, j'ai fini de donner mon show à la caméra, donc voilà. Et j'ai mis une litière, en fait, parce que ben, nos opossums, on est chanceux chez Educazoo, on réussit à les mettre propres. Donc, ils sont habitués d'aller dans une petite litière en coin. Évidemment, une chose à prévoir, c'est que ben, il faut toujours mettre notre petite roue dans laquelle ils vont courir dans la litière parce que lorsqu'ils courent, c'est un peu comme les hérissons, ça active leur système digestif et ça fait en sorte qu'ils font tout le temps leurs petits besoins en même temps de faire de l'exercice. On a une autre question. Oui, donc Marianne demande combien de temps ils peuvent vivre. Donc, Marianne, les opossums, ça vit environ 2 à 4 ans. Mais en fait, les opossums brésiliens, on s'entend, ce sont vraiment de petits animaux qui ne vivent pas très, très longtemps. Et c'est pour ça que ça se reproduit autant, aussi rapidement et à une si grande fréquence également. Donc, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur les opossums et que c'est un petit animal qui vous a bien intéressé. Hein, un beau petit Diego. Voilà. Donc, moi, je vous laisse et on se retrouve. Oh non, en fait, juste avant de vous laisser, j'avais des salutations à faire. Émilie, veux-tu sortir ton téléphone? On a des petits amis qui ont dessiné le fameux opossum qu'on avait mis sur la page Facebook. On voudrait les saluer. Je les avais envoyés sur Messenger pour que tu puisses faire des petits coucous à tout le monde. Donc, je crois qu'il y avait Maëve, Nelia. On avait oui, quelques amis. Il y avait Miguel Roy. On peut les voir, les dessins, là? Voilà. Miguel Roy. On avait Chanel.
Geneviève aussi, Geneviève, oui. On avait quelques-uns. Je pense qu'on t'en avait envoyé. Oui, Nelia, c'est vrai. Voilà. Il y avait Maëve aussi. Je cherche. Elle avait un petit peu plus bas. Et également, il y avait. Oui, Maëve. Voilà. Également, il y avait Léna qui aurait donc voulu dessiner le petit puzzle, mais qui n'avait plus de feuilles de papier dans son imprimante. Donc, vous êtes tous salués. Puis nous, ben, on se revoit jeudi à 14h pour une prochaine capsule. D'ici là, ben, n'hésitez pas à poser des questions encore une fois. Nous suivre sur nos différentes capsules. Et si vous pensez à quelque chose, un petit cadeau sympathique à offrir à votre maman pour la fête des marques et ce dimanche, ben, appelez-nous. On peut vous concocter un beau petit une heure rempli de beaux animaux, de belles surprises et de beaucoup d'amour. Donc, sur ce, tout le monde, bye bye!